Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, Diamond Painting. Et aujourd'hui, j'ai avancé sur mon kit du paysage, la maison et la rivière. Voilà. Alors, j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai réussi à faire deux carrés. Donc, j'ai commencé... Désolée, je suis essoufflée. J'ai commencé, il était quoi, une heure et demie, oui. Bon, une heure et demie, je crois. Et là, il est 5 heures de l'après-midi. Je viens de ranger. J'ai bien bossé. Voilà, donc j'ai fait deux carrés. Donc, 20 cm sur 10. Écoute, il est toujours aussi beau. Et malgré que c'est des perles rondes... c'est pas le rond ou carré, le motif est toujours beau, hein. Mais là, il est vraiment super beau, les couleurs sont super belles, j'aime beaucoup. Je crois qu'une fois fini, il aura de l'effet, voilà. Pour celui-là, je reprendrai, pas demain, mais certainement après-demain, je verrai si je ferai une vidéo dessus ou si... J'avancerai sans faire de vidéo, je verrai comment je ferai. Parce que je vous ferai peut-être une vidéo entre deux sur les porte-clés que j'avais reçus. Voilà. Et je ferai peut-être aussi une vidéo avec les cartes que j'ai achetées chez Action. Voilà, pour changer un petit peu. Je vais vous laisser visionner. Sinon, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui à part ça, mais j'ai pas bougé aujourd'hui. Ah si, ce matin j'ai bougé un petit peu avec mon mari. Il fallait qu'on fasse une course ou deux. Et j'ai même cherché un pyjama. J'ai plus de pyjama. Ils sont tout vieux, mes pyjamas. Et j'ai dit là, il n'y a pas, il faut que j'aille en chercher au moins un. Mais c'est pas pour rien. Hein. Même les pyjamas maintenant. J'en ai trouvé un chez Kiabi. En peluche. Enfin, sur le site internet, ils avaient marqué peluche. Mais en molletonné, là, ça fait comme de la petite fourrure. Je vais avoir bien chaud la nuit avec. Donc, j'ai pris que ça, hein. C'est fin de mois. Donc, il y avait d'autres choses qui plaisaient, mais bon. Et là, je suis rentrée, un petit peu de ménage, laver le pyjama, hein, parce que maintenant, déjà avant, je l'avais quand j'achetais des vêtements, mais des fois, j'attendais, et tout. Mais là, maintenant, dès que je rentre à la maison, que j'achète des vêtements, ça passe direct à la machine à laver. Dès que je rentre, j'enlève toutes les étiquettes, et puis, hop, la machine... obligatoire, hein. Voilà. Surtout que là en plus j'ai lu dans la journée un article sur ma ville, donc dans mon arrondissement, donc moi c'est le Valenciennois l'arrondissement, ma ville à moi, on est la ville où il y a le plus de cas, voilà. On est sur le podium numéro 1. On est la ville où il y a le plus de cas dans notre arrondissement. Voilà. Bon, nous, on est juste à la frontière belge aussi, hein. Donc, la Belgique a pas mal de cas également. Voilà. Et je ne sais plus le nombre exact, mais enfin, je ne me rappelle plus. On est numéro 1. Voilà. Youpi. On s'en passerait bien. Hein. Mais du coup, il faut faire encore plus attention. Oh, pardon. J'ai mis un coup de pied dans le pied de ma caméra. Il faut faire encore plus attention. Oh, pardon. Ça y est, je rebaille. Voilà. Sinon rien d'autre, hein. Voilà.
Non, bah, mes petits achats, c'était ça. Et puis une petite plante. Mon mari commence avec mes plantes, il commence à me dire, tu vas la mettre où ta plante encore? Bah, je vous avais fait une vidéo il y a plusieurs mois déjà, un plan de tour. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et je vais vous la mettre ici quelque part. Mais depuis ça a changé. Bon, j'ai des plantes qui ont mouru. bah, avec l'été, avec les chaleurs qu'on a eues aussi. Et il y a eu des nouvelles plantes. Et puis là, bah, aujourd'hui. Alors j'ai ramené une nouvelle plante il y a 2-3 jours. Et puis une aujourd'hui. Et puis une bouture que j'avais faite, que j'ai rempotée également aujourd'hui. Donc. Trois nouvelles, ça fait trois plantes sur la semaine. Et donc toutes ces plantes sont casées dans la même pièce. C'est dans la première pièce où on rentre chez moi. Donc dans cette pièce-là, on vit pas dans cette pièce-là. C'est juste pour rentrer. C'est une pièce, hein, c'est comme une. On pourrait y faire un petit salon, une petite salle à manger, voilà. Mais nous, on n'y vit pas. Dans cette pièce, il y a juste un bahut. Mes oiseaux, tous mes oiseaux et mes plantes. Voilà. Et ça sert d'entrée. Il y a la porte d'entrée de la maison. Mais bon, ça commence à être serré. Tout à l'heure, je regardais mes plantes. Je dis, je sais plus où je vais les mettre. Et j'en ai dans la cuisine aussi. Donc. Et dans la cuisine, je ne peux pas en mettre beaucoup. J'ai surtout, c'est mes orchidées dans la cuisine. Donc voilà. Il faudra que je verrai si, quand il ne fera pas trop sombre, peut-être vous refaire une vidéo, un petit plan de tour. Bon, enfin, si ça vous intéresse. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, bon, tant pis. Je ne ferai pas. Donc voilà, les nouvelles du jour. Je vais vous faire des gros bisous. Je suis en train de m'amuser. Ça veut dire, à chaque fois que je fais la vidéo, je m'amuse avec l'élastique là. Il va falloir que je le jette. voilà les nouvelles du jour. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Et enfin, petite, oui. Enfin, à la fin, je vous ai accéléré un peu plus vite parce que la partie était toujours de la même couleur. Donc, c'était toujours pareil. Même pour moi, ça devenait lassant. Toujours ben, une grosse partie, tout c'était toujours la même couleur. Donc là, j'ai accéléré un peu plus. À la fin, il y a les photos. N'oubliez pas, comme je fais d'habitude, hein, il y a toujours les photos pour voir le résultat. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous et je vous souhaite un bon visionnage et des commentaires. Bisous.